Bonjour à toutes et à tous, c'est Sia Mancal, on se retrouve sur Space Trash Scavenger. La dernière fois, on s'était pas mal baladé. Tiens, notre drone mini est encore à péter au schnock, je pense qu'il n'avance même plus d'ailleurs vers nous. Il a l'air bloqué. Je crois à 572 mètres, donc je pense qu'il est... Je peux analyser mon propre drone minier. Ah, il doit se rapprocher un peu plus là. On a la frégate à explorer, on a d'autres petits trucs à explorer. On va se bouger parce qu'on fait que récupérer du carbone, alors j'en ai besoin pour l'acier. Ça c'est exploré. Ça c'est pas exploré, c'est normal. On va se mettre comme ça. Regardez la map. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste au moins un, non, qui est pas exploré. Ça c'est exploré, 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 exploré. Ou pas en vrai, peut-être tout fait. On a beaucoup exploré la dernière fois, donc ok. Bon, à part la frégate qu'il va falloir explorer, ça on l'a pas exploré. Ouais, après c'est un débris, hein. Oh, allez, s'il te plaît, c'est exploré. Explorer aussi. Bon, ok, on a peut-être tout fait. Du carbone, 57, on peut pas en faire 57 ici. On va encore récupérer 15, c'est bien 15. La vitesse où ça va. Lui, il en faut aussi, il lui en faut aussi. Et du fer, du carbone. Vous voyez que ça consomme 2 de fer pour un carbone. Donc, ok, on n'a plus rien à atomiser. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, très bien. Donc ça, c'est tous les trucs qu'on a explorés. Ah, le drone mini avance quand même. Il va extrêmement lentement. Mais il avance quand même. Mais non, ça c'est non exploré, je savais bien. Ouh, il y a une espèce de... je sais pas, de statue. Explore, explore, explore... Je vois pas de nom d'explorer. Mais ce petit caillou là est tellement petit qu'il ne me met même pas qu'il est non exploré. Ouais. On va aller là. On va aller là et là. C'est noté. Ah, la bouffe coule à flot. Parfait. Un coup à flot, c'est pas encore ça. Hein. J'ai combien de fer? 6 seulement? Enfin d'acier. Ah, c'est normal. Et bon, 55, c'est très bien. Tourne à plein régime. J'ai combien? 453. Donc, notre but, c'est d'avoir 500 pour lui. Et 500 pour ça, pour ça, quelque chose qui permet d'attirer les déchets. Ça m'intéresse bien évidemment. Oula, il est par où le cube? Et parfois il y a des petits problèmes de cube. Hein. Ok, il y a pas beaucoup là. 6. Prendre un peu vu que ça ramène rien du tout quasiment. Petites algues, il nous en faut des caisses, mais plus on doit faire d'algues et ben moins on fait d'acier et donc moins on gagne de l'argent. L'acier c'est 11,94, il est pas mal en vrai, et l'algue c'est 2,16. Ouais, pas terrible hein. Ça se vendait plus cher quand je suis parti vendre de l'algue. L'acier est pas mal monté. Hein. Ouais. Il a bien monté plus que ça. Après, il est redescendu un peu. Et du coup, qui vient faire du trade ici? On sait qu'on était les seuls à passer dans le coin. Hein. Mais pas du tout. Ok, ça, on va le ranger. On va faire de la place. La passe, on va le ranger aussi.
L'arme, on va la mettre là. Le carburant dans l'inventaire, ça aussi. La graine, bah, dans l'inventaire en attendant d'avoir mieux. J'ai pas de stock. Masco atomisé, il n'y a plus rien d'ailleurs. Il ne reste plus que de la glace. Qui va être rejetée. Ok, on est bon, ça fera plein d'algues quand je vais revenir. Donc on peut partir. Sauf que j'ai plein de fer. Quitte à partir maintenant, j'ai encore 16 fer à faire. Justement. J'en ai 12 à vendre déjà. À 11 unités. C'était où? 500 mètres, 500 mètres. Et l'autre. 100 mètres. Quand est-ce que ça rechange ça? Je sais pas, on va dire tous les jours, il est jour 4, 3h du mat. Donc on va peut-être commencer par vendre parce que là le prix est très bon. On a ce qu'il faut. Tu nous as fait d'aspirer l'espace, hein. Faut pas avoir peur du vide hein, quand on joue à ce jeu. De se lancer dans le vide comme ça, sans filet, sans protection. Ah, c'est encore à 500 mètres, ok. Ok, je veux vendre tout ça, je vous prie. Ah, 600, c'est mieux. Encore ça, hein, mais c'est mieux. 12 de carbone là-dedans, quand même. C'est intéressant. Où est la planète non explorée? Là-bas. On commence par là. Oui, on peut commencer par là. C'est que du fer. Ça m'intéresse moyennement. Alors le drone minier, ça va bien? Je vais me rejoindre un jour, t'inquiète pas. J'ai des munitions là-dedans. J'ai 150 munitions pour l'instant, très bien. La grosse pierre m'intrigue. C'est pas le monolithe de 2001 de l'Odyssée de l'espace, mais... ça m'intrigue quand même. On va quand même prendre le rayon laser de base pour l'instant. Battre cet ennemi. Voilà. Un monolithe mystérieux. Le stone, la pierre. Non, je sais pas trop, on va dire qu'elle vibre sous notre main. On dirait une pierre de rune alien qui apparaît dans l'existence. On va prendre et la garder pour plus tard. Ok, non, il y a une pierre de rune alien qui est apparue, excusez-moi, qu'on a gardée pour plus tard. Ok, c'est lié à une quête. Très bien. Alors, évidemment, maintenant que j'ai du minage à faire, mon drone de minage il est à 400 mètres. Du coup, bah, on va faire à la main. Hein. L'avantage, c'est que c'est du carbone, et là, c'est intéressant. Parce que le carbone, c'est ce qu'on cherche. Et ça, ça se récolte pas, il n'y a rien du tout. Bon, c'est les petits astéroïdes, l'avantage c'est que ça va plutôt vite.
Voilà, c'est déjà fini. Et le drone est à toujours 400 mètres. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais il le fait. Récupère ce qu'on peut au passage. Ça c'est quoi? Ok. Ça serait bien de le récolter au passage, ça aussi. Voilà. Ça mange pas de pain. On a parfait de munitions, donc je peux supposer que le chargeur en plus, ça suffit. Et au pire, on a le laser de minage. Voilà. C'est pas qu'il fasse énormément de dégâts par rapport à la mitrailleuse, mais... existant, on va dire. On n'a pas l'inventaire très très vide, mais c'est pas grave. Hop là. Bonjour mon ami. Ok, 5, je suppose que c'est 5 munitions de... Non, c'est 5 chargeurs, ok. 150 par chargeur, ça va. Ok, c'est parti. Ouf. Il a toujours pris des dégâts. Ok, il y a une entité là. J'en peux pas miner ça. Juste pour bloquer le joueur. Mais très logiquement, vu qu'on est un éboueur de l'espace, littéralement, on devrait pouvoir déployer ça. Ok, pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Ah, mais je peux viser. Très bien. Wow, wow, wow. Joli coup de fusil, fiston. On est prêt à un conduit de ventilation. D'une écoutille. On peut utiliser notre laser de minage pour l'enlever et voir ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir... Hop là. Le recycler. C'est bien ça. Ça, c'est une bonne idée. Oula, wow, 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 wow. Ça fait mal, le petit père. Alors, j'ai par là ou j'ai par là. Commencer par là. Pourquoi pas, hein. Au hasard. Ok. Ah, les documents historiques. Ça là. Ok, j'étais pas avec la bonne arme, mais c'est pas grave. D'autres choses. C'est marrant comme le laser rebondit. Chargeur laser. Je peux pas, bon, on met ça là. Hein. Si on peut pas. Le chargeur laser, je suis sûr que je peux. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre. Il y a de la glace, je suis presque sûr d'en avoir. C'est bizarre. Du scrap, ok. C'est 10 maximum, très bien. Et non, de la glace, j'en ai pas. Et de l'aluminium. Non plus, en tant que tel. Bon, rien ne nous oblige à le faire en une fois, mais bon. Envie de faire deux allers-retours, ça serait un petit peu embêtant. On prend la mitrailleuse. Rien du tout, rien du tout.
Le pauvre, il a rien. Il l'a pas vu venir. Tout. Pour moi, c'est tout. Tu peux pas le mettre là? Bah si, bah là, pourquoi tu le prends pas? C'est bizarre. Ok, bon bah ma foi, j'avais pas besoin d'autant de munitions. Donc j'ai raté un truc. J'ai l'impression qu'on a fini. On a récupéré l'objet de quête. Et du coup plafond, non. On y a déjà été, c'est là où il y avait les deux coffres à droite et à gauche. Donc ma foi, ça a l'air d'être pas mal. Fermer la porte histoire de dire. Alors, voilà les données historiques. Il me laisse son vieux fusil laser et il me donne des crédits. Mais je pense que ça fait de nous des amis. Une mallette de crédit inconnue. 98 crédits, c'est ultra précis. Hein. Ils n'ont pas voulu mettre 200. Bon, ben on a tout exploré sur ça. 800, c'est dommage. On aurait eu 1000, on aurait pu débloquer deux trucs. On va déjà pouvoir débloquer un truc, c'est pas mal. Bon, on a toujours ça. Voilà, 100, ça me sert à rien. On va trouver de gens avec qui l'échanger. C'est un truc de quête. On sait jamais. Il y a plein de déchets quand même. Ça m'intéresse de récupérer tout ça. On pourrait retourner, peut-être voir l'alien qui avait rien de spécial à nous dire. Celui sur la nature. Mais qui nous a juste donné la plante de nature. Voir si ça peut l'intéresser. Je sais plus où il était, c'est pas classe 7. Attends, j'ai plus les indications de signal. Ah si, signal quand même. Celui-là avait un signal. On va aller voir si c'est celui-là. Hein. On dépasse après. C'est trop loin. Excusez-moi, on est en train de m'appeler. Excusez-moi, on ne contrôle pas forcément quand on nous appelle. Alors, je voulais voir le monsieur. Bah, il est là, parfait. Je me suis bien souvenu de l'astéroïde. Ok, d'accord, lui, il s'en fout. C'est peut-être pas du tout pour ces extraterrestres-là. Hein. J'ai pas fait le tour de la frégate. Peut-être qu'il y avait des ressources à l'extérieur. Ouais. Je ne sais pas. Ok, on se renvole. Tiens, Bonnie, est-ce que les ressources sont apparues? Je pense pas. Hein. Lui, il y a toujours son silicate là qui traîne. Mais les ressources n'ont pas l'air de réapparaître sur les astéroïdes, du moins. On va aller par là. On va aller parler à notre ami extraterrestre qui nous a donné une quête. Qui nous avait donné une quête qu'on a réussi. Il nous a donné la fournaise, qui nous a évité de dépenser 500 hein, quand même. Ou 250, je sais plus. Mais bref. Éviter de dépenser de l'argent pour rien. Voilà. Allez, go. Niveau nourriture, c'est pas extrême, on va manger un petit peu. Voilà. Faut oublier que du coup à la base on aura plein de fer, d'acier plutôt. Ça met algue 1 en bas. Mmh. Vraiment.
T'as vu qu'il me restait des algues, mais c'est pas grave. Bon, priorité aux priorités. Ce qui permet d'attraper les déchets ou ce qui permet de faire de la culture. Voilà qui est intéressant comme question. Okay, il me redit la même chose, donc ça sera certainement pour plus tard. Allez, go. Il n'y a que trois extraterrestres, celui-là, celui-là et celui-là. Et aucun des trois n'a l'air de vouloir de ce petit caillou qu'on a trouvé. Explorer, explorer, explorer. En vrai, on a déjà fait le tour. Pourquoi pas essayer? Ouais. Ici, bon courage pour essayer de viser. Mais on se rapproche. J'ai pas l'impression que les ressources reviennent forcément. Je pense qu'il y en a qui réapparaissent quand même. Mais... Bon, hein. Vu que ça tourne. Ce qui veut dire qu'on a qu'un certain montant de ressources pour chaque zone. On va passer à la suivante. Sachant qu'on a de l'argent à faire. Ok, c'est 100 mètres la portée de ce truc-là. C'est noté. Quoi ça? Cent cinquante mètres. Plus avoir de d'essence en arrivant. Voilà, il n'y a plus rien en source. Hop là. Ouais, plein d'algues. Mon inventaire est plein. C'est dommage. Hop là, on atomise. C'est combien? 16 barres de fer. D'acier, excusez-moi. Voilà, là il y a de l'algue. 20 algues. C'est pas mal. Oh, ça vaut plus que 4,45. J'ai bien fait de vendre à ce moment-là. Moins 5,61, ça fait mal. Ça y a eu un crash. Le problème, c'est que c'est le seul truc que je peux vendre pour l'instant. Donc, à l'heure actuelle, regardez les autres trucs. Tout ça, j'ai pas. Encore trop bas en technologie. Ok, j'ai 800. Bon, le truc pour atterrir les débris, s'il n'y en a pas dans la zone, ça ne demande pas m'en inventer. Donc. Et de prendre le farm cube. Voir ce qu'il faut pour le construire. Farm cube. Du fer, de l'oxygène. Ici, ça me semble logiquement logique. Du fer, on commence à plus être terrible. Ok, un ferme cube. Dilous copain, hop, mettre là. Là c'est le côté bouffe, on peut le mettre. Ça cache des panneaux solaires par contre, on peut le mettre là. Alors, petite seed. Quand c'est une need water. Ok. Ok, ok. C'est bien, mais du coup j'ai pas d'eau. Donc il me faut soit le drone à eau et les substrats de matrice, tout ça, j'ai pas. Touk.
que on peut pas simplement avoir un arrosoir tout simplement. On va être honnête. Apple Gun niveau 2, ça coûte 2500 seulement. Waouh, ça va. Ça coûte 2500 aussi, ok, on n'est pas prêt à les avoir. Water Gun, il est là. Je peux le faire, c'est parfait. Je vais avoir beaucoup d'armes dans ma première barre. Hein. Je sais pas si ça prend ce que j'ai là, donc dans le loot. Encore pas mal de trucs et j'ai encore des trucs derrière. Atomise-moi tout ça. Voilà. Ouf. Ils sont en train de grandir. Oh. Ah non, c'est l'herbe qui est passée à travers. Je pensais qu'on voyait déjà le petit point. Pointé. Il faut du carbone, évidemment. Et 6, on va prendre 3. En vrai, ce qu'on va planter là, ça va nous éviter de faire des algues. Parce que je vois pas pourquoi on pourrait pas en mettre partout. Bon, il m'en manque un, mais c'est pas grave. Bon, là, pourrait y avoir un intérêt à faire un coffre. Voilà. Mais c'est qu'est-ce que tu nous dis? Ok. Il faut... Entity Base Qubit. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec le Stock Exchange. Hein. Jump Drive. Il faut que je détruise la base des entités. Ralentir le temps. Prendre plus de dommages. Oh, 3 cornes. Oh, ça peut être intéressant ça. Des motherboards, des déflecteurs. Ok. Ça va être dur à avoir certainement. De quoi bouger. Alors le contrôle de notre rig pour le bouger, mais bon, ça il nous faudrait le thruster avec. Là, du style, il en faudrait plein. Copper, silver. Silver, j'en ai pas rencontré d'ailleurs. Il me semble. Je me trompe. Icône, alu. Ah, si, silver, on en a 4. Ouais. Il me fait point d'exclamation, lui. On peut acheter le blueprint pour le jump drive, mais le jump drive... Ah non, c'est là, c'est le fuel du jump drive. Excusez-moi. C'est moi qui dis mal. Bah, du coup, ça va être dans l'utility, je suppose. Mm-hmm. Forge, autoseller, space rig. Non. C'est forcément là quelque part alors. Bon, il n'y a plus rien. C'est pas ça. Bah c'est là, tout simplement. Une espèce de téléporteur. Ça coûte que 150. Oh, bah ça va là. On achète ça. Je suis un bonus de 50. Pour avoir dépensé 150. Ah. Il est méchant. Ça tombe bien, on est une mitrailleuse maintenant. Où es-tu? Le vil ennemi. C'est mon drone d'ailleurs. 570 mètres. Bon, on n'est pas près de l'avoir. Tu peux m'indiquer où sont les ennemis, ça serait pas mal. Actuellement. Je les vois nulle part. Ça, là. Olé. Allez mon pote. Viens donc. Ouais, ça m'a averti quand même vachement à l'avance. Hein.
Ah, je vais y arriver un jour. Ok, c'est juste que ça lui fait rien. Ah bah. Voilà, ça c'est fait. Ah, dis donc. Pas très gentil ça d'attaquer la base sans être invité. Et toi, non? Tu veux pas dire bonjour? Ah, équipé de Reaper Gun aussi. Ah, il y a un autre ennemi. Ça va, ceux-là sont pas très dangereux. Et celui-là, il s'en fout. Mettons. Ah, s'il vient. Je dirais. Ou pas. Ou pas. Eh bah, ben, très bien, barre-toi. Ok, bon, faut but de jump drive. J'ai encore des trucs à recycler, moi, oui. Alors, le jump drive, il est là. Il faut du fer. Ça me semble pas trop étonnant. On va peut-être arrêter la fournaise. J'ai pas mal d'acier, là. Si je veux, je peux le vendre, mais bon, l'acier... Ça commence à coûter cher, mais bon. Je me dis qu'on va passer au secteur suivant. Secteur suivant, on pourra avoir des recettes qui valent plus que juste vendre un petit peu d'acier. Alors, jump drive. J'aime bien comme ça s'accumule sur la sortie. Et je peux le build à peu près n'importe où. On peut le mettre là. Ça peut avoir besoin d'un socket. Donc, ma foi, je peux le mettre là. Pourquoi pas? Ah non, c'est le toit. Il va pas vouloir. Voilà. Ouais, bon, c'était peut-être pas le meilleur emplacement. C'est pas grave. J'ai très faim. Ça c'est pour une quête, mais... J'ai jamais trouvé la quête qui va avec. Je pense qu'elle est quelque part. Ah, lui il a plus d'eau, j'ai l'impression. D'accord, d'où l'intérêt d'avoir un petit drone pour s'en occuper. S'en occuper comme ça tout le temps. Ok, on va pas l'être ici. On peut ouvrir notre inventaire. C'est les choisir le cadran de map où on veut aller. Et on aura notre premier ordre de stock à faire ici. L'énergie, l'essence de Jump Drive est fait par les fragments d'entités nano. Enfin, pour les fragments de nano-entités, on va dire. Enfin, le cœur de la base ennemie, quoi. J'ai fini par m'exprimer un jour. Ok, bon, d'accord. Faut détruire la base ennemie. On l'avait déjà compris. On va peut-être faire des munitions plus silicone, aluminium. Bien méchant, ça c'est quoi ça? Kick shotgun. C'est la shotgun, ok. Je ne l'ai pas. On récupère toutes ces bonnes ressources. Est-ce qu'on a des choses à remplir? Non. On a... de l'eau à mettre un peu partout. Je vais dormir avant le combat. Et ça fait fondre ma barre de faim. Ah, mais par contre... Miam. Ok, faut refaire la graine à chaque fois. Alors, ça fait moins 10 de faim et la faim diminue, arrive moins vite, on va dire. Que ça vaut cher la corne ici?
Ah oui, pas mal. Et le style, pas mal aussi. Le camp ne vaut plus cher, tiens. Je pourrais me faire pas mal d'argent. Mais bon. Ah non, c'est que ça me fait remonter un petit peu ma faim. En quelques secondes, visiblement. Ça me fait remonter ma faim doucement. Combien de temps, on sait pas. On peut le recycler pour avoir du carbone. Ok. Combien ça coûte de faire ça? Du carbone et de l'oxygène. Donc en fait, ça peut être infini. Ça coûte 1 de carbone à faire. On recycle pour 1 de carbone. Faire de l'oxygène. Jamais on veut le recycler. Ça me fait monter la faim au max. Vraiment? Ok, on va faire un peu de fuel. Ok, et ma faim est en train de remonter doucement. C'est plutôt cool. Voilà, on est pas mal. Est-ce qu'on va vendre vite fait? Ah, je le vois. 0,2 heures encore. Pour le plus 2 hunger par... En fait, autant le prendre... On a vraiment plus rien. Ah bah si, j'ai une graine là. Ouais, j'ai peut-être fait trop. Ou alors j'en ai regagné une. Ouais, j'en ai regagné une en mangeant le corne. Suis-je bête? Suis-je bête? Évidemment. Bon, j'aurais pu le replanter à la base, mais c'est pas grave. Et donc en fait, j'en ai récupéré 11 pour 4 plantes. J'aurais dû en récupérer 12, si on était logique. C'est bizarre que ce soit un nombre impair, mais bon. Je suis bien reposé. J'ai les munitions. Hop, on va vendre un petit peu. Je veux vendre ça. Et bon, pas tout ça quand même. J'aurais bien gardé une partie. Ah, c'est pas mal. Et en vrai, si je vends tout, j'aurai les 500 pour avoir la recherche des specs d'un tracteur de ressources. Ok, et vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça fait déjà bien plus d'une demi-heure, hein. Ça fait 40 minutes, malgré cette petite coupure téléphonique, mais bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, la prochaine fois on finira cette map, on passera à la suivante, donc on aura plein de nouveaux trucs à découvrir, c'est cool. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.